Concerné bureau APN Saint-Marc, là, bureau départemental de l'autorité portuaire nationale APN qui les mêmes trouvés dans la commune Saint-Marc, département l'Artibonite guerrier du seul. Alors, en grosso modo, pour nous comprendre, pour qui ça ULCC a décidé à mener enquête souvelée au niveau de bureau départemental APN, non? C'est parce que il y a des dénonciations qui faites autour de en série de local que bureau a lui-même décidé de louer pour faire parking. Il y a du seul. Ça veut dire les bateaux ou vini, machines vini dans le pays, ya, avant même procédure pour dédouaner yoa abouti, yo gon côté, yo mette machine yo jusqu'à ce que mette yo fin paye tout ça ou de paye comme droit, taxe, etc. Et puis après ça, yo remette machine. Eh bien, les gens qui viennent joindre ULCC, ULCC te décidé de constituer équipe comme d'habitude pour regarder qui, ça qui dit, ou bien qui ça qui vrai, si vous voulez, dans sa table d'yo concernant dossier ça. Guerrier du seul, ULCC expliqué information à données qui vivent joindre li. Dans le cadre d'enquête là, enquête qui concernait parking que bureau départemental APN dans Saint-Marc loué, etc., ou bien espace li loué pour faire parking, eh bien, il révélait sorti octobre 2017 pour arriver septembre 2021, madame, monsieur, APN Saint-Marc là utilisé 11 parking, 11 terrains pour faire parking, 11 espaces pour faire parking. Et parmi eux, il y a un terrain qui appartenu à l'État haïtien, 10 lotio c'est pour des particuliers. Je voulais noter ça. La douane au niveau Saint-Marc utilisait 11 terrains guerriers du sol pour yo parking machine, ou comprendre camion, tu vois, tu l'autre bail, etc. pendant processus pour mettre des douaniers. Dans 11 dans guerriers, ULCC Dine sont seuls là pour l'État. 10 lot yo, c'est loué ou loué ou, nan men te particulier. ULCC après poursuivre pour dire guerrier du seul. Jusqu'à ce que enquête ULCC a fini guerrier, commission a constaté, nan 11 pas qui n'a pas li la guerrier, c'est 4 seulement qui utilisaient véritablement. Guignon, qui pour APN, et puis gen 3 lot tout, c'est APN nan, qui utilise l, ou bien qui loue l, non série de, nan men série de particuliers qui ont même des terrains privés, etc. Bah, moi, prenne samedi, guerrier du seul. APN Saint-Marc utilise 11 terrains guerriers. Nan 11 là, c'est 4 qui utilisent, qui yo servent avec le vrai. Ça dit 11 ça yon paye. Non, yon seul ça paye. Ok. 10 lot yon paye. Yon paye. Mais nan 10 lot là, yon 3 yon utilise vraiment. OK. Alors dit que 7 autres qui a payé là qui pas fait rien. Et ça a blandi, okay. Dit blanc. Oh mon Dieu. Et ça vient c'est dit gars. Commission enquête là signalons l'autre côté. Contrat location avec propriété terrain ça yo, yo pas respecté aucune norme, aucune procédure guerrier. Yo pas fait conformément à ça la loi mandé dans pays. Patrick Alexis dit yon n'a plus gros l'hôpital Taiwan by la République Dominicaine coûte 18 millions de dollars américains. Donc 30 millions de dollars américains, ça, au moins, il y a un autre hôpital de référence environ. Merci en pile. Il était inauguré en 2005. Merci, monsieur Alexis. Commission enquête l'a signalé guerrier. Contrat de location, ça y est, avec propriétaire terrain, ça y est, il n'y a pas respecté aucune norme et procédure. OK? Qui est pour avec ça, n'a pas parlé là. Administrateur UPCA, alors pour le monde qui ne connaît pas, ça UPCA guerrier du seul UPCA guerrier c'est ça mon yo défini comme unité des ports et de cabotage UPC OK li nan en direction qui est la direction du cabotage qui se yon nan 8 directions sectorielles direction générale APN yo. Parce que m'a dit UPC en pile pour mon yo kawe de qui ça m'a parlé mon ami qui dit mes amis la santé mi va aller coûter 16 millions de dollars américains. Avec l'hôpital Mibalère. Un problème.
Avec vous gagotez 30 millions de dollars et plus là. Pas de problème. Au moins, vous avez deux bons hôpitaux de référence. Merci un peu, France. On continue, guerrier, tu seul. UNCC s'est dit, guerrier, tu seul. Non. Ou là, guerrier? Non, je suis là. UNCC s'est dit, commission enquête l'a signalé, en plus que contrat fait avec propriétaire terrain, ça n'a pas respecté aucune norme et procédure, mais administrateur, unité des ports, ou bien UPC Gendabdia, unité des ports de cabotage, etc., M. Grégoire Valsin, n'a pas communiqué à la commission enquête là aucun document significatif qui a pour avec contrat. Qui ça, monsieur, expliquer la commission guerrier? Je dis, tout bagage qui fait dans le pays, dans Saint-Marc là, c'est des bagages qui fait dans bouche à bouche. Administrateur qui a parlé avec, attendez bien, enquêteur ULCC. Guerrier dit seul. On a continué pour dire. ULCC noté. Enquêteur ULCC a confirmé déclaration monsieur Valsin. Après, il a fait une visite sur le terrain. Et pendant la visite, ça, enquêteur a rendu compte. À part de reçu de paiement que propriétaire du terrain a livré guerrier, il n'y a pas existé pièce côté, aucun document guerrier qui pour dire, eh bien, l'État haïtien ou bien Douane Saint-Macla loué tel terrain dans main tel. Pas de pièce document qui existe dans l'administration de Douane guerrier. D'ailleurs, ULCC a parlé. Le fait que par des pièces contrat écrit qui existaient, responsable PNC Macio, yo pas qu'à prélever ça ou les acompte provisionnel 10% article 19 décret 29 septembre 2005 là qui gagne pour avec impôt sur le revenu. ULCC allé plus loin pour le dire. À partir de tout monde l'étendé yo parce que yo parle à plusieurs monde. Commission enquête là arrivé découvrir bon paquet espace yo utilisé pour stationner machine. Eh bien, pour qui est-ce qu'on est au guerrier? Il y a des gens qui travaillent en dans Douane Saint-Marc là même, guerrier Dieu seul. L'État. Ou bien des gens qui gagnent des agences maritimes, c'est-à-dire qui gagnent lien avec institution guerrier. Mais ça, en quitte vous dit, madame, monsieur, vous autres capitaine, vous avez bien compris. En plus que tout terrain est loué, douane, à part de paiement, ou bien fiche de paiement, que propriétaire a lui-même li bay responsable pas aucun document qui existait pour dire Douane Saint-Marc l'a engagé à un tel pour tel bagaille pour telle quantité d'argent. Mais qui ça yo aller plus loin pour yo relever guerrier yo joine que majorité moun qui loue à PN Saint-Marc là terrain pour faire parking c'est moun qui travaille soit dans douane là ou bien moun qui gagne des agences maritimes okay. Mais qui gagne lien avec institution guerrier. M'a rappelé guerrier. C'est pas moi qui a parlé. C'est ULCC. C'est ULCC qui a parlé. Responsable APN dans Saint-Marc. Vous comprenez guerrier du seul à partir de audition qui fait yo, yo joindre un bon parti dans espace stationnement UPC loué yo, c'est pour des agents publics qui travaillent dans UPC Saint-Marc là. Ou bien pour des responsables d'agences maritimes qui ont lien avec l'institution. Guerrier de sel. Comme ça, ils joignent. Gagnent garage RGA Terminal qui lui-même c'est pour associer ça. Grégoire Valsin et John Altenor qui sont respectivement administrateur UPC, mais c'est qui coordonnateur toute direction générale de l'APN. Et gagnent garage McDonald Terminal. À Chile terminal yo même yo pour deux moun yo pour monsieur Calenri Doriela qui lui même c'est caissier facturier dans UPC. Donc d'après ULCC c'est en violation disposition article 2.6 règlement intérieur APN qui interdit tout employé particulièrement tout monde qui dans hiérarchie APN pour faire partie d'une société commerciale pour accepter en fonction dans l'autre organisme public ou privé si activité ça capable porter préjudice à intérêt APN guerrier de seul. OK. ULCC aller plus loin pour dire. Yon l'autre bord. Enquête l'a révélé.
À l'exception de M. Calenry Doriel, qui lui-même a un acte d'apprentage dans Mel, qui dit propriété ça ou terrain de stationnement, ça lui a bien c'est pour lui. Tout l'autre monde guerrier, pas de yon nan yo qui a prouvé que terrain yon loué APN nan se pou yo. ULCC qui a parlé, c'est pas Johnny Ferdinand. ULCC dit à l'exception de M. K.